raconter toute sa journée. Hein. Oh ben oui. Le recyclage, machin, comment ils font, les bouteilles, il ne faut pas les mettre sans les bouchons. Tu sais pas, sinon c'est moins recyclé, nanani, nanana, c'est bien. Bon, c'est cool, je trouve. Oh ben une oui. sortie pédagogique c'est comme ça, dans une usine de recyclage. Il a eu ses saucissons, ses boulettes au fromage, et il a tout bouffé. Étonnant venant de lui. C'est pas très très gourmand. Mais parce qu'il a distribué à ses copains, tu crois quoi? Bah, tant qu'il sûr. Distribue pas les saucissons à Sacha. C'est pas Sacha. Non, mais l'année dernière. Mais c'est pas Sacha. C'est pas Sacha? Ah non. Ah, je sais pas. L'année dernière, il rentre, il dit ah ouais, c'était trop bien la sortie. En plus, j'ai échangé mes saucissons avec. Et il dit le nom d'un gosse. C'est un musulman, le gosse. Je dis quoi? Tu lui as donné? J'ai mis de la manger? Bah oui. Je dis, faut pas qu'il dise à ses parents. Hein. Ouais, mais le gosse, il se rend pas compte. Hein. Il peut? Bah, je pense pas. J'en ai parlé à Stevie, le connaissait, il m'a dit non. Hein. Parce que vu qu'il gardait le gosse, il m'a dit je crois pas. Je dis bon, bah, c'est des gosses, c'est naïf. Oui. Et puis voilà, c'est pas un drame. De toute façon, si c'est pas fait volontairement et tout ça. Oui, voilà, exactement. C'est pas. Il y en a qui mangent du porc. Oui, oui, bon, bah t'en connais les musulmans qui mangent du porc. Hein. Tu connais aussi. Oui, j'en connais aussi. Pour ton anniversaire, j'avais demandé à ta copine. Mais du coup, j'ai dit le prénom de son mec, son mari. Je lui ai dit, il mange du porc ou pas? Du coup, je calculais s'il y avait des musulmans qui venaient. Parce que du coup, il faut prévoir le coup, c'est normal. Et puis elle me dit, ben non, bien sûr que si, il en mange. Je dis, ah bon, d'accord, je savais pas. Moi, elle dit, bah, n'importe quoi, toi. Je lui ai dit, mais j'en sais rien, moi. Tu en as tellement d'amis de musulmans, de juifs, de chrétiens, de ci, de rien, d'orthodoxes. Ta mère est protestante. Moi, je sais plus où donner de la tête. Hein. On fait le carême, c'est vendredi. C'est vrai, on n'a pas mangé de viande. On a mangé une bonne salade. Ça fait deux semaines. Ouais, elle nous a... Non, ça fait deux semaines que le vendredi, on ne mange pas de viande. Hein. Mmh. On mange de la viande le reste de la semaine. Mmh. Mais pas le vendredi. Un Saint-Nectaire, il est bon. Ah bah c'est pas ta copine à qui t'as envoyé un colis là? Que j'avais envoyé à la poste? Little Press? Bah si je crois. Bah oui, elle dit coucou. Coucou. Et cucu. Putain, j'ai vu la différence d'aller à Saint-Di avec le Q7 ce matin au lieu de la DS. Hein. Pour se garer c'est quelque chose. Oh, hein. Bah oui. Surtout Yamaha. Pour se garer à Yamaha. Oh le bordel bah, toi. Bah la rue là, tout de suite. C'était chiant. L'Auvergne? Non moi non plus l'Auvergne. Tu vois pourquoi? T'as la ref? Oui bah oui. Mais je suis pas. La pancarte man, la pancarte woman. Là. Je m'en fous, l'Auvergne, c'est bien quand même. L'Auvergne n'est pas responsable de ce qu'elle détient. C'est clair. Salut aux arrivants. Petit collier en préparation bientôt. Oh, c'est oh, gentil. C'est mignon. Elle était contente, hein, je t'ai dit pour. Ouais, tu m'as dit, ouais. Et puis elle m'a envoyé une photo, il était trop mignon. Oh bah elle m'a dit, t'as posté le... Oh purée, le matin, t'as posté le colis? Non chérie, pas encore. T'as posté le colis? Non chérie, pas encore. À midi, t'as posté le colis? Non chérie, pas encore. Je lui ai dit en vlog, j'ai dit oui, bah j'ai d'autres choses à faire, je vais le poster maintenant. Hein. J'aimerais votre avis sur un truc, Adrien, je peux te l'envoyer? Oui, bah oui. Je vais devoir réapprendre à aimer certains mots. C'est pourtant joli l'Auvergne. Je sais pas, je suis jamais allé en Auvergne, je crois. Ma saucisson moisi. Oh, les saucissons, putain. Dimanche, je vais peut-être nettoyer. Putain, elle m'a fait peur quand elle a dit dimanche. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a hein? Le toit de la véranda. Ah oui mm. Mais moi, je vais peut-être aller à Vittel avec ton père, hein, du coup. Dimanche matin. Oui. Je te redirai ça. Bah, je suis pas là pour t'aider. Mais des affaires. Pourquoi? T'aurais fait quoi? Tu branches où le Karcher? Bah, tu le branches avant de partir. Ah oui. Ou sinon, je peux le brancher. C'est derrière la machine à laver. Mais il faut débrancher la machine avant. Oui. Faut couper le robinet. Le petit génie. Il rêvait de saucisson, elle parle ménage, mais putain. C'est pour le renvoyer à la réalité. J'aime pas quand tu fais cette tête. Quelle tête? Ta tête. Oh, bah, je souris juste pas. C'est juste que t'as tellement l'habitude de me voir sourire que dès que je souris pas, ça va pas. Sûrement, oui. Bah, regarde, je suis tout le temps comme ça. Mais sinon, non, tu fais ta tête avec tes petits yeux de. On dit un vrai petit con, là, je te jure. C'est ta tête de petit con. Oh, j'aime pas ça. Si tu veux, on le fait au mois d'août. Je leur ai dit. Non. Je leur ai dit. Je lui ai dit, pardon. Mais non, elle s'obstine, là. Je ne suis qu'une personne. Oui, je lui ai dit. Je me suis trompé. Oui, et je t'ai répondu quoi? On peut le faire là, et d'ici le mois d'août, il y aura encore besoin de nettoyer. Là, pour l'instant, c'est dégueulasse. On va pas laisser dégueulasse jusqu'au mois d'août. On est au mois de mars, t'imagines? Avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois. Moi, je peux plus, hein.
Ça fait déjà 2 mois que je te le dis. Alors j'ai bien voulu et... parce que c'est l'hiver et tout, d'accord. Tu sais là, que chez Lidl, ils vendent un Karcher. Le Karcher Parkside, j'ai vu. Autant acheter le Karcher Parkside, au moins ça évitera de trimballer celui de ton père, parce qu'il est gros, hein, celui de ton père. Hein. Il est chiant. Hein. Mais je m'en fous tant que je peux nettoyer. Et bah alors, demain, on passe à Lidl et on prend le Karcher Parkside. Bah voilà, bah au moins je nettoie. Parce que je me suis dit, en plus, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, trop bien si. Pour les bagnoles, la moto, parce que la moto, faut pas les laver au lavomatique. Hein. Bah non. Donc c'est pas mal. Non, comme ça, je veux faire au moins une fois avant l'été. Oui, bah voilà. Le toit, et puis comme j'avais fait. Enfin, comme on avait fait. Geoffrey avait fait. Oui, le merci, toit. J'ai aussi fait. Le toit s'il te plaît. Non, je suis en train d'expliquer. Ah, d'accord. Laisse-moi terminer, t'auras okay. la suite. Tu voilà. comprends mm-hmm. Donc, comme on avait fait, puisque j'avais nettoyé le pan du mur sur le côté, puis la mousse. Ah oui, oui. La mousse sur mmh. la route. Mmh, c'est vrai. Ma mère, faut faire les escaliers. Non, mais c'est prévu. Non, les escaliers, on les fait, hein. Ah non, les escaliers, oui. Je croyais les... Je croyais les escaliers... Quoi, j'ai plus le droit de sourire, à l'extérieur. Moi. J'ai plus le droit de sourire. Le palais est à 8,50. Ouais, ma mère, bah, je t'ai dit, elle a commandé 2 palettes. Mm. J'ai dit non, on va attendre un peu, il nous en reste quand même une trentaine, une quarantaine de sacs, hein, quand même, chez mes parents. Ah ouais. Ouais, on va essayer d'attendre un peu, voir si ça descend. Il y a moyen. Mais les escaliers, oui. Je vais peut-être le faire aussi dimanche. Non mais tu prévois 50 000 trucs. Quoi là ça? Tu peux ben pas oui, avec les gosses mais, à la maison. Mais les gosses à la maison s'il te plaît, ils peuvent rester une journée en bas non? Il y a que Libby, hein, elle se lève le matin, elle va au lit le soir. Donc hein. Libby le dimanche aura pas le droit de jouer à la console parce qu'on fait les escaliers. Alors qu'elle non, est mais tu rigoles. Eh. Mais si elle est, si, si et, elle peut pas monter. Et quand elle est à l'école? Alors pourquoi ah bah, tu l'as pas faire. Fait quand elle est à l'école? J'ai pas eu le temps. Allez s'il te plaît. N'importe quoi. Vous voyez les excuses tout le temps. Et puis là, tout c'est pour me faire... Là, c'est pour me faire culpabiliser, genre de... Ouais, punir Libby de... J'ai jamais parlé de ça, en fait. Non, hein. Pas pour la punir, mais ça l'a puni. Et ah, bah tu vois, nettoyeur de pression par 5, il est bien. Bah oui, bah on va acheter ça. Je crois qu'il est 40 balles ou un truc comme ça. Oui, voilà, merci. Les enfants n'étaient pas là pendant les vacances. Ah, mais j'avoue que ça me saoule donc, de faire. Donc, si Libby ne peut pas jouer à la console parce qu'elle ne peut pas monter, je lui expliquerai que c'est parce que son papa ne l'a pas fait quand elle n'était pas là. J'aime bien parce qu'avant live, elle m'a dit « Tu vas m'aimer pendant le live ?» J'ai dit « Toi, parce que tu me clashes à chaque live. Hein. » Mais c'est pas de ma faute, c'est le truc. C'est pas ma faute, c'est le truc. Non, c'est comme tu dis, tu vois. Tu critiques pas, tu constates. Voilà, je critique pas, je constate. On parlait de ça, c'est tout. Parce que toi, t'essayes de dire « Ouais, mais elle est chiante parce qu'elle veut faire ça et ça. Bah, » excuse-moi s'il faut le faire. C'est tout. Gars, la peinture, est-ce que je t'ai emmerdé? Je t'ai juste dit que j'allais le faire. Moi, j'aime pas faire la peinture. Ah voilà. Je te dis pas qu'il faut que tu le fasses, je vais le faire. Non, mais c'est... Mais pas je sais, et alors, j'ai le droit d'appuyer quand même. Bah non. Bah si. Après, t'envoies des bêtises. Et alors